On est content de vous annoncer que le jugement professionnel de nos membres est considéré. Alors, je me fais un plaisir de vous lire. Donc, pour des raisons de sécurité et en fonction de son jugement professionnel, ou pour tout autre motif valable, une personne salariée peut refuser d'utiliser son véhicule personnel pour transporter un ou des usagers. Ça me fait tellement plaisir. Il y a l'employeur fournit les équipements de protection et de sécurité nécessaires au transport des usagers, exemple, piquets, housses de protection, sièges d'appoi, etc. C'est également un gain dans nos dispositions. Pour tout voyage d'une journée et plus, l'employeur assure une période de repos totalisant 16 heures de repos avant le prochain quart de travail de la personne salariée. C'est également un gain à souligner.